Bon, on est là pour la suite de la BC Visualus de Tom Clancy's Ghost Recon, donc la version précédente de Tom Clancy's Ghost Recon. Donc, on s'est laissé directement vers la mission 14, donc allons-y, sans perdre de temps. Je vais juste un peu la musique de terminer. Et voilà. Bon, on va pas laisser terminer, mais bon, n'est-ce pas? On dit voilà. Donc, la mission 14, donc l'avant-dernière mission, donc ça sent la fin, n'est-ce pas? Ça sent la fin. Oui, on va voir. D'accord. À partir de maintenant, il n'y a plus d'objectifs secondaires, donc voilà. Donc, je vais parler beaucoup de cette partie de certaines choses, vous allez voir. Qu'est-ce que je veux dire, par là. Donc, oui, on va voir. Apparemment, dans la partie 13, j'avais parlé que j'allais utiliser Astro Galenki en principal, mais apparemment, non. Apparemment, je l'utilise pas. Je l'utilise plus. Je ne l'utilise pas. Apparemment, dans le temps, il barrait bien mieux. J'imagine. Quand même, donnons-lui un point pareil. Prenons Moons. Moons est quand même assez. Il est nécessaire. Prenons là, qui d'autre. Je sais jamais, j'imagine qu'on a besoin d'un lance rocket, n'est-ce pas? Tanné pourrait être bon pour ça, par contre, même, je pense pas qu'il peut. Est-ce que Tanné a un drapeau de Tanné? Oui, j'imagine. Devient un spécialiste. D'accord, prenons Tanné. Bon, maintenant, assignons les points restants de personnel correspondant, le personnel qui ont des points disponibles, n'est-ce pas? On va voir Ozadze. Mon Dieu, Ozadze, il est quand même radio, lui aussi. D'accord. Maintenant, nous allons prendre Monsieur SVD. Plutôt Madame SVD, je crois. Parce que je crois que c'est une fille, n'est-ce pas? Voyons voir. Oui, c'est bien ça. Galenski. Voyons voir. Il faudrait aussi prendre. On sait jamais. Tiens, prenons Klaus Henkel, on sait jamais. Et prenons. Pourquoi pas Monsieur. RPK. Ozadze. C'est un ordi. Voyons voir. Willow Bow. Ok, voilà. L'arc. Willow. Bon, à part Don't Starve. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon. N'oublions pas, je ne suis pas anglais. C'est pas. Je suis français. Il y a beaucoup plus de mots français que mots anglais, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voyons voir. Donc je compte probablement terminer toute la BC Solus en une session, n'est-ce pas? Et même une autre BC Solus en plus. Donc la celle de Desert Cheese, puisque je fais Desert Cheese directement après. Normalement, tout va bien. Supposément. Voyons voir. Je vais parler un peu plus de ça après. Bon, ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué. D'accord. D'accord, il y a des tanks en arrière de nous. Et on... D'accord. On va envoyer Bravo ici. Tiens. Bravo va aller ici. Et nous, on va aller ici. Tiens. Allons-y. D'accord. On va aller par ici. On va laisser faire l'ennemi pour le moment. Bravo s'en chargera. Faisons une sauvegarde rapide. Donc c'est facile, longtemps que j'ai pas joué. Je dois bien dire, j'ai absolument aucun temps et d'un coup, beaucoup de temps. Donc assez pour terminer deux BC Pialus. Ça je peux bien dire. Ennemi ici, regardez. Ah, je vais laisser mon son un peu, il est quand même un peu fort. Tiens, je vais éviter que vous l'entendiez en double. Par contre, voyons voir, où est-il? Let's see. Parfait. Je crois qu'il n'y a personne dans cette maison, voyons voir. Pouvons-nous rentrer? Non, tu vois. Dommage. Dommage. Donc, save, tiens. Donc, voyons voir, bravo, ça se situe... bravo, encore des difficultés avec un ennemi, apparemment. Pourtant, j'avais bien dit d'aller ici. Par les ennemis. D'accord, ils sont absolument intégrés par les ennemis. Non, d'accord. Si nous allons faire, si nous allons aller ici, tiens, ici. Et bravo, tiens, at all costs. Et voilà, suppress, at all costs. Parfait. Donc ils vont continuer. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Bravo, continue. C'est parfait. C'est parfait. On continue, nous aussi. Enfin, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Neutralise, d'accord. D'accord. Donc, on doit, il y en a quand même beaucoup de choses à faire, mais nous allons toutes les compléter. Donc, allons-y. Donc, oui, ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué. Beaucoup de vidéos en retard pour le moment, mais en mettant en retard. Donc, oui, j'imagine. Je peux dire qu'en même temps que je vais les sortir très très rapidement. Il y a une espèce d'ennemi ici. C'est quelque part. Hein. Il est petit, je crois. Où est-il?
En haut d'une roche. Ça a bien l'air à ça. Qu'est-ce qui est arrivé là? Espèce de... Chargeons, n'est-ce pas? Faisons un chargement rapide. Allons-y. Espèce de... Bon, moi j'enregistre au moins. Ça arrive des fois que j'enregistrerai pas. Que, en même temps, faut bien regarder. Donc apparemment, il y a un ennemi juste en haut là. Donc apparemment, la meilleure solution serait peut-être de tuer l'ennemi directement. Quelque chose du genre. On va y en voir. Donc j'irai ici directement. Comme tout à l'heure, quoi, n'est-ce pas? Oui. Bon, bravo. Ah oui, c'est le faire. Voilà, at all cost, at all cost. Allons-y. Apparemment, il y a un ennemi quelque part aux alentours d'ici. J'en ai même peut-être quelque part à gauche, je ne sais trop quoi. On va y voir. Donc, quick save, on sait jamais. Il doit y avoir un ennemi quelque part ici, j'imagine. Quelque chose du genre, hein. Voyons voir. Je sais pas si c'est un bon moment de prendre juste quelqu'un d'intéressant qui s'appelle Moons, n'est-ce pas? Pas personne. On va monter. Monter la colline. On vient voir, j'imagine. Il y a un ennemi là, hein. Voyons voir. Il doit y avoir un ennemi qui se situe aux alentours d'ici. Oui, il y a quand même un bon zoom, de toute façon. Il est fait. SD. Viens voir si je peux voir quelques ennemis ici. Non, pas nécessairement. Voir ici, d'abord. Non. Donc, on va apporter bravo ici, tiens. Bravo, allez directement au camp. À ce camp-là. Oui, il n'y a pas trop de problèmes. En fait, il n'y en a pas trop. Parfait. Espèce de... Quoi, est-ce qui s'est mis dans mon chemin? Espèce de... Ah bon. N'est-ce pas? Il s'est mis dans le chemin. Ah, revient absolument pas. Donc, et voilà. J'imagine... Parfait. Ça a bien fonctionné. Parfait. Ouais, quelques ennemis morts en bas ici. Donc il ne reste plus qu'un ennemi là-bas. Et ça sera parfait. Ce sera mieux. Il ne reste plus qu'à tuer cet ennemi en bas ici. Allons voir. Allons-y, allons voir. Allons voir. Ici, voilà. Et voilà, j'accorde comme dire oui, nous l'avons eu. Parfait. Regardons ici, il devrait y avoir quelques ennemis aux alentours de là. Voyons voir dans la tranchée. Yeti. Apparemment, il y a un ennemi qui était tiré vers nous. Quelque chose du genre. Hein. Voyons voir, je sais pas, peut-être pas. Voyons voir. Bravo, si tu es dans une situation délicate, apparemment. Ah, il y a un ennemi en haut là, quelque chose du genre. Voyons voir. Est-ce que c'est lui? Ah, c'est lui. Tout de long. Voyons voir. Bravo, vous avez allé. Non, je crois pas ici. Ici, j'avais dit. Parfait. On va aller ici pendant que nous allons aller ici. Pour aller là, je crois que nous allons descendre par la montagne, donc allons-y. On va descendre par ici. Allons-y. Donc, l'émission, je pense pas qu'elle devrait durer trop longtemps. Je ne crois pas. Bon, peut-être que j'aurais embarqué avec Bravo, non? Je pense que oui. Viens voir. On voit pas grand-chose avec Bravo. Ah oui, je vois quelqu'un. Quelqu'un là-bas. En fait, je vois des ennemis qui sont en train de bouger. Alpha taking fire. Quoi? Pas plutôt Bravo taking fire.
Là, je crois qu'on s'amuse juste mieux de se rapprocher un peu de l'espèce. Hein. C'est bien ça. Les ennemis vont se trouver juste en haut aussi. Voyons voir. Faisons peut-être une sauvegarde rapide, je sais pas. Essayons, est-ce qu'on devrait essayer? Je pense pas que ça ferait quelque chose de mal. Pas rien. Voyons voir. Voyons voir, si je me recule comme ça, disons. Qu'est-ce qui se passera-t-il? Est-ce qu'on peut voir les ennemis? Pas réellement. D'accord. Donc nous devons contourner la place et aller les voir directement. Donc allons-y, imagine. Allons-y. Parfait, parfait. Parfait, parfait, j'imagine. Donc laissez-moi voir quelque chose vite fait. Parce qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, je crois. Voyons voir. Eh bien, finalement, c'était rien, donc voilà. Non, parfait, parfait. On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent, j'imagine. Voilà, regardez, il est petit. Et on va voir, j'imagine, il devrait se trouver. Les ennemis devraient se trouver comme juste à côté ici. Et on va voir. Il devrait se trouver dans quelque part comme juste là. Oui, il y en a un qui se trouve ici, tiens. Il devrait y en avoir un autre ici. Parfait. Parfait, parfait. Reprenons Alpha. Descendons ici. Ah non, maintenant qu'on est là, tiens, Moons, imagine. Par contre, Moons, mon Dieu, t'es bloqué. Allons-y. Allons-y. Moon est toujours bon. Il est toujours bon. C'est bon, il est Moons. Avec son MG3. Dommage qu'il n'y a pas un MG36. Elle est vraiment encore plus excellente, j'imagine. Mon Dieu, regardez. Donc apparemment, j'étais mort, mais bon, n'est-ce pas? Désolé pour la petite coupure ou la petite coupure de son, quelque chose du genre. Apparemment, il y a une ligne qui est alentour ici. Ah oui, ici. J'étais un peu occupé pour une seconde. Mais bon. Non, je ne le suis plus. C'est parfait, c'est parfait. Voyons voir. Allons ici. Un ennemi comme juste à côté ici. Voyons voir. Parfait, parfait. Et nous avons terminé de prendre le South Pass. Donc le passage du sud. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à atteindre. Oh! Mon Dieu, c'était proche. Bon, avançons un peu peut-être. Je crois qu'on serait mieux d'avancer. Allons-y. On va y avoir un ennemi ici. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Et on faut que ça aille. Voyons voir. Apparemment, il y a un ennemi à Alpha aussi. Regardez, ils sont ici. Il a arrêté de bouger. Parfait, parfait. Donc, voilà, voilà. Continuons, continuons. Donc, j'ai envoyé Bravo ici, tiens. Juste ici, pour le moment. Parfait, parfait. Voilà les ennemis ici. Ouais, ils sont morts. C'est bon. On va continuer à avancer. C'est parfait, c'est parfait. Je me donne des tanks qui n'avancent pas. Bravo, on va bien trouver un ennemi aux alentours, j'imagine. C'est pas. Mais je n'en pas. J'imagine que là-bas, je me rappelle bien, là-bas, il y a des tanks, quelque chose du genre. Si je me rappelle bien. Donc oui, aujourd'hui pour moi c'est une grosse journée, n'est-ce pas? Terminer toute la 2BC du Solus. C'est quand même pas rien, j'imagine. Voyons voir, on dirait que c'est un ennemi, non, c'est pas un ennemi. Ok, voilà, pareil, voilà, voilà, voyons voir. Il n'y a rien ici, d'accord. Ils auraient dû mettre quelque chose qu'on peut ramasser ou quelque chose du genre aux alentours, ça va peut-être intéressant. Ah, apparemment, bravo, je peux pas tirer dessus, apparemment. Non, pas ici. C'est pour ça que je vais le faire. Apparemment, il y a un ennemi comme juste à côté ici, de la roche, quelque chose du genre, voyons voir. Maintenant, c'est Alpha, maintenant. Regardons, tiens. C'est bon, personne n'est mort. Parfait, c'est parfait.
Non, c'est bien qu'est-ce que je pensais. Espèce de... Pourquoi vous êtes mis dans le chemin? Espèce de... Espèce de... Espèce de... Voyons voir. Parfait. Apparemment, on a gagné. C'est juste ça? Parce qu'il y avait une tank. Char d'assaut. Ah, apparemment, regardez. On va à Moscou maintenant. On va tuer les Russes. Attaquer les Russes. Et la base des Russes. La dernière mission. Ça sent la fin, ça sent la fin. N'est-ce pas? Voyons voir. Apparemment, 10 minutes dans le jeu. Oh. Je pensais que ça a pris environ, mais je sais pas bien que ça a pris au moins 20 minutes. On vient voir, je vais juste la capture, j'imagine. Donc, allons-y, continuons. Sauvegardons, oui. Sauvegarder. Sur Snake. Pas Snake, ça travaille ici. Et nous allons nous laisser ici pour cette partie de la BC Solus, n'est-ce pas? Le Ghost Recon. On va en premier, en fait, on n'a même pas besoin de regarder qu'est-ce que nous allons avoir, puisque, on va se laisser directement sur la mission, vu que je continue directement après. En fait, est-ce que je devrais faire ça? Pour cette dernière mission, ou... Non. Non, on va regarder quand même nos personnels, qu'est-ce que nos personnels là. Et puis, on va se laisser, j'imagine. Un peu comme d'habitude. I never thought I'd see US troops fighting in Russia. Et voilà. Voyons voir. Bon, on va pas avoir quand même une yip, mais bon. D'accord, c'est ça. D'accord. Donc, on va se laisser ici pour cette partie de la BC Solus de la grande version prochaine de Democracy Ghost Recon. Et on se revoit pour la dernière partie de la BC Solus. Donc, au revoir!